Salut à tous! Salut à tous! On espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour un nouveau petit vlog. Ceux qui ont vu hier, on est parti à la chasse à la citrouille. Oui. Et on n'a pas trouvé de citrouille. Voilà. Donc là, on est avec Mans-Mans et on est avec Cam-Cam qui ronfle d'ailleurs. qui s'est endormi. Là, on est venu hier, on est parti à Carrefour, à Leclerc, Ronfle. On n'a pas trouvé. À Carrefour, il y en avait, mais c'était pas terrible du tout. Donc là, on est devant le Grand Frais. On est devant le Grand Frais et on va voir s'il y en a. Il y a Stokomani derrière et tout. Et on va. Comme et Ronfle, vous allez voir. On va essayer de trouver une belle petite citrouille. Cam-Cam, ma chérie, on est arrivé. Tu ronfles encore de mousse, cette petite bouche mignonne. Allez, tu viens? Bon, voilà Cam-Cam. Mais ça va, elle se réveille assez vite. Ça va Cam-Cam? Oui? Allez, viens, on y va. Allez. Elle se réveille assez vite, mais après ça dépend. Des fois, l'humeur, elle n'est pas exceptionnelle. Allez, on va aller faire un tour au Grand Frais. Et voilà, en espérant qu'on a trouvé cette citrouille. Bon, ben voilà, il y en a au Grand Frais, les amis. On a trouvé la courge Halloween, 4,99€. Donc voilà, ils en ont déjà fait. On va faire comme ça à peu près. Et on va mettre une lumière dedans. C'est pas mal comme ça. Bon, on va prendre une. Celle-là, elle est belle, je trouve. Ah ouais, mais elle est fendue. Ah, c'est dommage qu'elle soit fendue, celle-là. Celle-là, ouais. Ouais, c'est bon, même si elle est un petit peu tordue. Allez, tiens. Oh, pardon, excusez-moi. Elle est mouillée. Ah ouais, celle-là, elle est mouillée. Ça va, Mans-Mans? Je vais la porter, je rigole. Elle est lourde, hein? Oui. Elle l'a lâchée avant que je la prenne comme il faut. On a failli faire tomber la citrouille. Bon, ben voilà. Une chose de faite. Et après, maintenant, on va aller à Stokomani, on va aller acheter de la décoration. Pour décorer la citrouille. Ouais, une lumière, un truc dedans pour décorer la citrouille. D'accord? Ben on a déjà un bâton pour faire. Ouais, un couteau pour creuser dedans. Je sais pas comment il faut faire exactement. On va mais voir. C'est dur. Ouais. Il faudra que ce soit moi qui le fasse, je crois. La dernière fois, maman, elle a réussi à en faire un. Ah ouais? Oui. Elle a coupé, elle a pas réussi parce que c'est trop dur. Ah, c'est trop dur. Ah oui, c'est moi qui l'ai coupé. La courge qu'on a achetée à la ferme, ouais, c'est vrai. Allez, let's go, on y go les filles. Oui. Allez, c'est parti. Elle est belle. Bon, voilà notre grosse citrouille. Elle est plus grosse que la tête de Mans-Mans et de Cam-Cam. Ouais. Et de papa. Et de papa aussi, ouais. Et de maman. De tout le monde. Mm. Ou alors, c'est qu'il a vraiment une grosse tête. Oui. Ben, regardez à Stokomani, c'est déjà Noël. Les décorations de Noël. Et les filles elles adorent les décorations de Noël et tout ça. Oui, j'aime bien. Les sapins, c'est normal, c'est tous les enfants. Et voilà. Bon, ben on va chercher. Ben, y a déjà, ah ouais, ils ont déjà installé toutes les décorations de Noël. Oh, mais regardez au fond là-bas aussi, ça clignote. Non, Halloween, non, c'est étonnant. Hein. C'est étonnant, étonnant. Pourtant, c'est ouais, là, c'est Halloween. Père Noël. Ouais, ils ont déjà mis tous les cadeaux ici. Enfin, tous les cadeaux, tous les jouets. Il y a beaucoup de jouets. Ils ont déjà mis tout en place. Barbie, tout ça. Tout ça, c'est rayon jouet. Bon, voilà, les amis, on vient de rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'on m'a acheté? Ouais. Pourquoi sa queue, il est là? Parce que il y a la queue, les pattes et la tête. Mais voilà. Normalement, il faut que sa queue soit là. Non, elle est là. Voilà, bon, Cam-Cam, elle a acheté le petit lapin Bambi. Oui. C'est Bambi. Ouais, il y a marqué Bambi dessus. C'était 1,99€ à Stokomani. En fait, c'est pour pas avoir froid aux oreilles. Oui. Après, Mans-Mans, montre Mans-Mans. Mans-Mans, elle a pris un nouveau manteau. Voilà, franchement, il est très très joli, elle a beaucoup aimé. En fait, à Stokomani, on voulait juste acheter une bougie. Et finalement, on a acheté plus qu'une bougie. Oui, une petite bougie. Ouais. Si on en a acheté une pour mettre dans la citrouille.
Bon, voilà la citrouille. Je sais pas ce qu'on va la faire aujourd'hui. Peut-être qu'on la fera demain, je sais pas. On va voir. Et après, bon, on a acheté des gâteaux pour le goûter. Ça, des Twix. Des gâteaux pour le goûter pour les filles. Voilà la bougie. Franchement, elle sent super bon. Donc, dans la citrouille, c'est bon, ça va, elle va rentrer. Et après aussi, ça. Pour les fruits. Voilà, parce que tout le temps, là, c'est... Regardez, c'est dans un plat. Donc ça sera mieux là-dedans. J'ai pris ça. Et voilà. Et ensuite, un petit pull pour Cam Cam. Oui. Elle a aimé, il est tout doux. Il est trop beau. Avec des petits lapins aussi. Elle adore les petits lapins. Eh, ça va, tu te sers normal, toi? Hein? Petit cochon, quoi. Voilà, donc il est mignon, ce petit pull. Il est à 9,90€. Voilà, à Stokomani. Lily Marelle. Voilà, c'est... C'est la marque. Ouais, c'est la marque. Lily Marelle, je connais pas. C'est écrit, petite fille, petit lapin. Et après, j'ai pris deux trucs, mais je vous montre pas. Je vous montre pas, les filles, elles ont pas vu aussi, je vais pas leur montrer. Et voilà. Oh. Ah. Ça sera pour... Pour le swap, je pense, ou pour une autre occasion. On verra. Bon, les amis, on est le lendemain de juste avant, là, de quand on s'est quitté. On est là avec la citrouille. On l'a pas fait le soir, finalement. La petite citrouille. On va la faire tout de suite. Mais juste avant, on va ouvrir un petit colis qu'on a reçu. Alors, voilà, le petit colis. C'est une youtubeuse qui s'appelle Aloenacha. Elle a ouvert sa boutique qui s'appelle Aloenali. Et bon, voilà le petit mot. Merci Clément pour ta commande. C'est même pas un partenariat, c'est moi qui fais la commande pour l'aider. Parce que c'est ça, elle a créé son entreprise. Ah, tu vois, vous voyez ça, c'est un cadeau. Parce que moi j'ai commandé ça et le livre dessous. Et il y en a même deux, je m'en doutais. Elle est folle, je sais qu'elle va regarder la vidéo, elle est folle. Donc voilà, je vous mets le lien de son site en barre de description. Oui. C'est elle qui fait ça, elle part de rien. Donc franchement, c'est elle qui a tout créé. Donc c'est franchement, c'est top. C'est Made in France. Donc je vais vous montrer tout ça petit à petit. Donc je vais lire le petit mot, les amis. Ça m'a fait très plaisir. Hâte que tu me dises ce que tu en penses. J'ai rajouté quelques petits cadeaux. Ça nous fait très plaisir de vous les offrir. Encore merci pour tout. Ce que tu fais pour moi, ben, avec grand plaisir. Ça nous coûte rien. Et voilà, c'est fait avec plaisir. Donc ça, c'est un jeu. Regardez la boîte. Voilà, c'est pour mettre en avant des petits créateurs, comme je vous l'avais dit la dernière fois, quand la dame elle nous avait envoyé des bonbons, Elodie. Là, c'est pareil, c'est une petite créatrice, mais qui, j'espère, grandira très très vite. Et voilà, c'est un jeu des 7 familles sur le thème d'Halloween, enfin sur le thème d'Halloween, c'est avec des genres de petits monstres, mais des petits monstres mignons. Regardez, ah, là on dirait Mas-Mas. Oh. Non, je plaisante. Regardez, c'est mignon, hein. Eh, Mas-Mas ? Ouais, trop bien. Alors, les cartes, elles sont en plastique, donc c'est bien, comme ça les enfants, Mini Monster, c'est le jeu de cette famille, comme ça les enfants, s'ils les mettent à la bouche, tout ça, c'est pas comme les cartes normales qui sont en carton, que vous allez mouiller, qui vont se détériorer. Celles-là, impossible, à moins qu'on veut vraiment les détériorer, on les coupe avec le ciseau, tout ça. C'est vraiment très qualitatif, donc franchement, un grand bravo. En gros. Déjà, du peu que j'ai vu, je lui ai dit franchement un chapeau parce que c'est qualitatif. Donc voilà, vous voyez, c'est des petits monstres, mais des petits monstres mignons. Hein. C'est vraiment très très mignon. Donc voilà, ça c'est un jeu des 7 familles. Le temps d'un voyage. Ah, ça c'est pareil, c'est un jeu quand on voyage, mais ça je pense que c'est pour les adultes. Ouais, c'est un petit question-réponse, tout ça. On se pose des questions. Et ça. C'est sa première création, regardez comme c'est quand même joli. C'est un livre temporel. Alors je vous explique, même si je pense pas être le meilleur pour expliquer, je vais vous mettre son Instagram, elle a son TikTok aussi, vous pouvez aller voir, elle expliquera beaucoup mieux que moi. Donc voilà, elle a mis des stickers, ma marraine, mon parrain, nanani, ma soeur, mon frère, le marque-page. Franchement, c'est vraiment très joli, très qualitatif. Et même le livre il est super qualitatif.
On a déjà acheté la BD de Studio Bubble Tea par exemple. Oui. La BD est beaucoup moins qualitative que le livre là. Même on le sent au niveau du papier. Et si je dis pas de bêtises, tout est made in France. Donc voilà. En fait, vous allez écrire. Il y a la version adulte et la version adolescente. Les amis. En fait, vous allez écrire je suis le plus grand, petit, moyen, genre de la famille, ma meilleure amie. Vous allez faire comme un petit arbre généalogique. Et en fait, vous allez écrire, c'est un peu comme le carnet secret, vous allez écrire tout ce qui se passe à l'école ou dans votre vie par rapport aux questions qui vous sont posées, et vous allez le ressortir dans 10 ans, 15 ans, et vous allez, c'est sûr et certain que vous allez oublier certaines choses que vous avez écrites, certaines choses qui se sont passées, et ce livre-là vous permet de s'en souvenir, tout simplement. Ça, c'est la version adolescente, jeune adulte, voilà. Rendez-vous dans 10 ans, vous le rouvrez dans 10 ans, et ça sera des beaux souvenirs. Donc voilà, rendez-vous dans 10 ans, et ça c'est la version adulte et parent. Voilà, donc franchement merci beaucoup, parce que moi j'avais commandé la version adulte et parent, et j'avais commandé Les Petits Monsters, le jeu de cette famille. Donc elle nous a fait cadeau d'un livre temporel adolescent, et de ce jeu de voyage. Donc voilà, merci beaucoup. Ce soir on va y jouer. Ce soir on va jouer au jeu de cette famille, où on fera une petite partie. Même si avec Mas-Mas, avec Cam-Cam, c'est compliqué. parce qu'elle a pas trop de patience, elle est petite, c'est donc c'est compliqué. Je t'expliquerai, ma chérie, il y a les règles et tout, j'ai vu, il y a les règles. Oui, tu le feras. Tu joueras avec papa contre Mas-Mas, d'accord? On jouera tous les deux. D'accord? Tous les trois. Tous les trois, mais toi tu seras avec moi, d'accord? Le problème. Oui. Et Asya, le problème, Zoé. Voilà, bon maintenant les amis, on va faire la petite citrouille d'Halloween. Oui. N'hésitez pas à vous rendre sur Instagram, on en parlera aussi sur Instagram, on va vous mettre le lien de son site, de son Instagram, like. De tout. Voilà, un petit like comme dit Cam-Cam, c'est vrai. Et voilà, et là-dedans, non il n'y a rien là-dedans, peut-être, je pense pas, s'il y a quelque chose, non il n'y a rien, je vois rien. Voilà, voilà, et ça, ah, sorry, ça... Un cadeau exceptionnel, je sais, ça j'en ai pas parlé, je sais pas ce que c'est, un ticket pour une journée avec toi, un ticket pour un cinéma en amoureux, choisir le film du soir, ben ça je sais pas exactement ce que c'est, en fait je sais pas, je sais pas du tout les amis. Donc voilà, bon, rendez-vous sur Instagram, on vous en dira plus sur Instagram ou sur son Instagram, elle vous en dira beaucoup plus. Et les amis, j'ai oublié de vous dire un truc. Il y a, de toute façon je l'ai écrit dessous avant, vu que j'ai oublié, il y a un code promo, c'est Massi Camille, et vous avez la livraison gratuite en point de relais. Donc voilà, si vous commandez, donc voilà, c'est petit code promo, livraison gratuite. Allez, c'est parti, bon, je vais découper là, pour pouvoir sortir ça, et pour pouvoir mettre la bougie, et aussi pour pouvoir la vider. Et ensuite, on fera les yeux, la bouche, tout ça, on fera genre de lanterne. Donc, je vous promets, regarde Mas-Mas, je suis allé en chercher. Allez, tu peux le reposer. Donc, je vous promets pas des miracles parce que c'est la première que je fais. Donc, voilà, c'est pour faire une petite activité avec les filles. Elles ont envie de faire ça et ça leur plaît. Donc, ouais, c'est mignon. On va voir, je pense que ça va être joli, il n'y a rien de compliqué à mon avis. Mais je suis pas très fort en dessin, donc on verra au niveau de la découpe des yeux et de la bouche. On va essayer de faire pareil. Tiens, Massia. Ouais, on va essayer de faire des comme des jarres dedans, on va voir. Allez, allez, attention, hein, Cam-Cam. Hein. Oui. Donc ce qu'on va vider, bien sûr, bien entendu, on va pas le gaspiller, on va le mettre là-dedans. Et on s'en servira pour faire des soupes, pour faire tagine ou même couscous. On verra. Mais on va pas le jeter en tout cas, c'est sûr et certain, on va pas gaspiller. Non. C'est une activité. Et on va le manger. Et on va le manger. En plus. Moi j'aime bien la citrouille. On a mangé couscous à midi. Et Mas-Mas, elle a goûté la citrouille parce qu'il y avait de la. Citrouille. Ouais, il y avait de la. Comment ça s'appelle? De la. De la courge dedans. Oh. Et. Donc voilà, ouais, c'est la première fois que je vous regarde comment c'est dedans. C'est dégoûtant. Non, c'est pas dégoûtant, regarde, on dirait des toiles d'araignée. Il y a une araignée dedans qui vit. Regarde la tête de Cam-Cam. Eh oui, attention, elle va sortir l'araignée.
Mais je rigole, ma chérie, il n'y a pas d'araignée, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ma chérie. Hop, voilà, papa, il est en train de tout enlever. Il y a beaucoup de graines. Et papa, il m'a dit que on peut le planter devant. Non, j'ai dit ça se trouve. J'ai dit ça se trouve, les graines, on les prend, on peut les replanter, je sais pas. En tout cas, ça a une odeur un petit peu spéciale. Hein. Ouais. Moi, j'aime pas. C'est pas mauvais, mais c'est pas... Il y a beaucoup de fils comme ça, là. C'est dégoûtant. Ouais, c'est pas... Allez, on racle et on se retrouve dès qu'on a terminé de faire ça. Oui. Et j'en fais un autre. Bon, c'est moi, ce qui fait les yeux. Ouais, on refait un autre. Là, qui soit à la même hauteur. Faut que ça soit un petit peu... Tu vois. Après, je ferai la bouche. Voilà. Calcule, voilà, par là, voilà. Et après je ferai la bouche, on va faire un petit nez et on verra. On va faire Cam Cam, elle fera les sourcils, d'accord Cam Cam? Parce qu'elle voulait faire les yeux, mais après elle est un petit peu petite. Bon voilà les amis, on a dessiné avec le stylo. Mas, elle a fait les yeux, Cam Cam, elle a fait les sourcils. Et le nez, je l'ai fait avec Cam Cam, après moi j'ai fait la bouche. Et voilà, on va creuser, on va voir ce que ça donne après avec la bougie à l'intérieur. Parce que c'est trop petit. On va voir ce que ça donne à la fin, mais je pense que ça sera pas mal. En fait, c'est rapide, hein, quand même. Très très rapide. Ah. Allez. Regardez, ça glisse. Ça. Regardez, les tapis, ça glisse. Oui, ça glisse. Voilà. Oh, il est magnifique. Il est trop beau. Allez, on va nettoyer un petit peu, on va enlever le stylo. Regardez, vous aimez bien. On va enlever le stylo, tout ça, et on va allumer la bougie, on va la mettre dedans et on revient. Ah bah avec un chiffon, avec de l'eau, j'enlève le stylo, non? Franchement, elle est belle. Du feu. Le briquet des anniversaires. Oh là là là. Waouh. Attends. On va l'amener dans un endroit où il fait noir, dans la salle de bain. Ouais. Alors, ça fait joli? C'est trop beau. Voilà notre citrouille. Ben c'est franchement, c'est pas mal. Je pensais pas que ça rendrait aussi bien. Trop beau. C'est joli. Bon là c'est dans le noir, hein, mais ça rend vraiment bien. T'es contente, Mas? Mas, elle est contente. Il est tardé de faire ça. Ça sent bon. Ben oui, c'est la bougie. C'est la bougie qui sent aussi bon. Bon voilà les amis, notre petite citrouille, on est revenu ici. Mal. Mais même ici, ça fait joli, hein. Ça fait éclairé. Regarde, viens voir la caméra, Mas. Regarde, ça fait joli aussi. Wow. Viens voir Cam Cam. Regarde à la caméra. Ça va, ça fait joli, hein. Très beau. Bon voilà. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu, tout ça. Et on espère que ce petit vlog vous a plu. On vous fait de gros bisous. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout que la semaine prochaine, il y aura une petite surprise. On va partir quelques jours. Voilà. Bye bye. Allez, bye bye les amis.